Bonjour, c'est Fouyaya pour Sims Artist et on se retrouve pour un nouveau test de défi. Alors c'est un test un peu particulier puisque c'est un défi que nous avons conçu au sein de Sims Artist. C'est bientôt la Saint-Valentin et on s'est dit qu'il était temps que chaque Sims trouve le bonheur, enfin l'âme sœur, et bien sûr cela dans un laps de temps limité, en l'occurrence 30 minutes, c'est un format qu'on aime bien, et on va avoir à la fin un score, ce qui va permettre à nouveau de défier les copains et voir qui tente l'aventure. Alors on reste sur le principe d'un Sims tout nouveau, tout neuf. Je vais partir sur de l'aléatoire. Voilà. Et je ne vais rien toucher puisque tous les Sims ont droit au bonheur, c'est mon credo. Donc au niveau des traits, à vous de voir si vous les jouez en aléatoire ou les décider par vous-même. Il y a seulement deux choses qui sont interdites. Choisir une aspiration amour parce que bien entendu cela donne des traits bonus et ça c'est de la triche. Et au niveau des traits, idem, hein, dans le genre on ne triche pas, on évite romantique. Et je vous l'accorde, si jamais vous tombez sur solitaire, je vous invite à le changer parce que, à moins que vous soyez masochiste ou que vous aimiez mettre des bâtons dans les roues de votre Sims, ça va rendre les choses un petit peu compliquées. Donc au niveau de mon tirage au sort, vraiment, je pense que je suis, j'ai une bonne étoile, hein, c'est assurément le cas pour le jeu. Je suis crasseuse. Machine à danser et snob. Je pense que cela va donner un assemblage intéressant. Et bien entendu, je suis la reine des blagues. Je pense que... Ah, au moins ça me rend sociable. C'est déjà un petit bonus. Donc en aléatoire, Cécile Lambert. Cécile Lambert, eh bien, bonne chance à nous. Alors, il nous reste à trouver un lieu pour nous installer. Alors, je n'ai pas allé à Saint-Michonneau puisque... Autre élément que j'avais oublié de vous dire, on va éviter d'aller au Festival de l'Amour. Hein. C'est quand même un petit peu de la triche sur le coup. Donc on va installer notre donzelle. Alors le lieu, c'est pas un élément bloquant. Je me rappelle pas être déjà le Toddyn de Marguerite. Alors on va mettre le jeu en pause. Donc je vous le disais, la maison n'a pas d'impact, mais qu'est-ce qu'il y en a? Vous aurez bien entendu le lien vers le sujet sur le forum. Alors ce qui va nous intéresser, c'est le niveau de relation. Effectivement, en 30 minutes, le but est d'aller le plus loin possible avec un Sims. Alors si vous voulez papillonner avec plusieurs, allez-y. Mais je pense que déjà, si j'arrive à me focaliser sur un, ce sera bien. Donc, le niveau de relation, bien entendu, apport des points, ajouté au statut du couple. Donc, vous pouvez même aller jusqu'au mariage, soyons fous. Et on va aussi ajouter du contact charnel, c'est la Saint-Valentin. On va un petit peu réchauffer son corps et son cœur. Et puis, les éléments bonus qui seront vraiment déterminants pour pouvoir doper votre score, ce sont les scores. Et également le nombre de fois où on est embarrassé. Alors, le nombre de fois où on est embarrassé, ça ne dope pas. Hein. C'est l'épine dans le pied, donc il va éviter de se taper la loose, ce qui ne va pas être facile. Et les médailles de score, eh ben, c'est tout simplement ce que vous obtenez, bronze, argent ou or, lorsque vous organisez un rencard et même lorsque vous organisez un mariage ou ce genre de petites choses. Donc voilà, il va falloir pas que draguer, il va également falloir partir en rendez-vous. On a donc 30 minutes pour trouver l'âme sœur, puisque plus on va loin, et ben, plus on a de points. Donc si en 30 minutes, elle pouvait se marier, avoir des médailles d'or et de ne pas être trop embarrassée, ça serait Noël pour la Saint-Valentin. Lancement du chrono. Il va falloir se bouger. Hop, on y va. On va. Ben, dans ma partie, il est 20h12, donc c'est le moment idéal pour aller sortir. Bien entendu, je commence toujours avec les mêmes erreurs, me déplacer et perdre du temps. C'est pas grave. Hop, archive, bien sûr, on va aller draguer aux archives. C'est une bonne idée. On va aller au velours bleu. Allez, faites qu'il y ait au moins un Pékin. Un Pékin. Un barman. Écoute, Samuel Garcia, bonjour. Présentation amusante. Nous sommes quelqu'un de drôle. Et en plus, on va être la reine des blagues. Alors, bien sûr, je ne sais jamais jouer en vitesse 3, ce qui me saoule au plus haut point. Où est-ce qu'elle est? Mais qu'est-ce qu'elle fout? D'accord, elle bouge pas. Dans l'Ontario. Non, je ne veux pas. Dépêche-toi! Ça y est, c'est l'énerve déjà. Ça y est, on a fait une présentation amusante ou tu regardes un... Oh là là. Bonjour, je suis super drôle. Hein. Hop là. Et on peut rien faire d'autre. Toi. Oui, complimente-le sincèrement. Illumine la journée.
c'est une histoire drôle. Faire connaissance. Raconte une blague sur les martiens. C'est pas comme ça que je suis pas sûre que. Parler à la dernière fête, on sait jamais. Illumine la journée. Comment je fais pour draguer, s'il vous plaît? Amour. On a le droit de faire ça. Oula, ça barre mal, il y a des anneaux. Plus de choix. Demandez sa personne célibataire. Allez, soyons fous, je passe en mode 3. Conversation profonde. Parce qu'à chaque fois que j'essaye de draguer trop vite, je me vautre. Alors je vais essayer d'alterner subtilement, c'est là où ça va être rigolo, de la conversation amicale avec de l'amour. Se renseigner sur la carrière. Il est barman, moi, on sait jamais. Il est célibataire. J'ai toujours des petites. Hop là. Oula, ça va trop vite pour moi. Ah, c'est mon essai. On s'en fout. Plus de choix. Amour. Complimenter l'apparence. J'ai déjà fait, c'est ça. Je vais trop vite, je n'y arriverai jamais. J'ai le droit de l'enlacer. Une technique de drague. Peut-être que ce soit pas embarrassé. S'il vous plaît. Reviens! Draguer? Mais non, on s'en fout du bain. Vas-y. Bouge-toi. Ah, ça marche. Je me suis pas encore pris de râteau. Et je suis tellement surprise que du coup. Amour. Hop. Déjà, direct premier baiser. Non, je vais pas le faire. Je me foutrai. On va l'enlacer. En toute amitié, bien entendu, sans aucun avant. Toc, toc, toc. Hop, hop, hop. Comment s'est passée la journée? Oh, j'ai réussi à le toucher. Amour. Complimenter l'apparence. Miam, miam, miam. Plus de choix. Amour. Avouez son attirance. Allez, s'il te plaît. Plus de choix. Amour. On peut changer de numéro de téléphone. C'est... Ah, ça y est, je me suis fait envoyer bouler. Ça y est, elle est embarrassée. J'en étais sûre. J'ai tenu combien de temps? 4 minutes 30. Déjà au bout de 4 minutes 30. Ah, ça va. Demandez à être rassuré. Non, tu vas pas être pleurnicheuse en plus. Discuter des centres d'intérêt. Oh! Et c'est toujours le moment où je me dis, est-ce que je continue à harceler le type? Ou on rentre chez nous? Bon, ben on rentre chez nous. Demain est un autre jour. Ah, on a un intérêt réciproque. Il est perfectionniste, immature et machine à danser. Bon, ben super. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon, écoute, après tout, si ça te permet de remonter et qu'on retourne voir Samuel. Dépêche-toi. Où il est Samuel? On peut danser avec lui par hasard? Oui, t'es encore embarrassé, je sais, mais ça va pas durer longtemps. Ça y est, on n'est plus embarrassé. On est heureux, c'est la fête. On parlait de la dernière fête. Il est branché le machin des chaussures, lui. Non, on s'en fout, elle. Tu discutes pas avec Dina. T'as une proie, là. Enfin, une proie. Balance dans Sims. Partager un secret. Plus de choix. Amour. Complimenter l'apparence. Gna gna gna. Plus de choix. Peut-être qu'il m'enverra moins bouler si on est plus amis. Enlacer. On n'a pas déjà échangé nos numéros de téléphone? Il a changé de numéro de téléphone depuis. Je sais pas quoi faire. C'est pas grave, je vais proposer un rencard. De toute façon, il faut que j'essaye de gagner les médailles de bronze parce que là, c'est un peu trop la loose. Gna gna gna, elle est confiante. Allez, sois confiante.
Hop. Un rencard. Un rencard. S'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Allez, bien sûr, combien? 23 minutes. Allons dans une autre ville en terrain inconnu. Ou un truc où il y a des choses. Oasis Spring. Restons là. Alors, est-ce qu'il y a une boîte? Bar à cocktail. C'est parti. Ça va te changer un peu d'aller dans un bar. Enfin, te faire servir, quoi. Donc, socialiser avec son... Alors ça, parler, je sais faire. J'arrête pas de toute façon de le saouler. Complimenter sincèrement. Hop. Plus de choix. Premier baiser, j'ai un peu peur de me faire envoyer... Hop, hop. Dépêche-toi. Bien sûr, le coup du canard, c'est super drôle. Hop, plus de choix. Voilà, c'est... Pose une question risquée. Vas-y, vas-y. S'il te plaît. Est-ce que je peux lui avouer mon attirance parce que je ne l'ai pas invité pour parler des échecs. Hop, voilà, trifouille un petit peu. Oh là là, c'est quoi? C'est des muscles que je sens. Hop là. On le rend las. Écoute, il faut que je sois enjolase. Comment je fais pour être enjolase? Amical. Hop, hop, hop. Voilà, comment s'est passée la journée? Ah, je suis enjolase. C'est merveilleux. Amour. J'ai trop peur de me faire virer. Embrasser les mains. Je peux faire ça? Il est open pour les mains, il y a peut-être... non, on ne prend pas de risque. Ah, gna 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 gna. Ah, voici son attirance. Vas-y, on... monte. Oui, oui, on y va, on y va. Tu vas. Fouch. Viens, on va s'asseoir là. Allez ici. Non, mais va pas aux toilettes, qu'est-ce que tu fous? Allez, il est aux toilettes aussi. S'asseoir ensemble. On s'est pas assis là? Bon, bah il y va, tu vas. Ça compte comme étant assis ensemble quand on va aux toilettes ensemble? Prends une photo ensemble. S'asseoir ensemble. Laisse-moi tranquille. Voilà, on parle. On peut prendre une pause sexy, c'est une excellente idée. Embrasser le rencard avec passion. Ben, bien sûr, j'ai que ça à faire. Je t'offre une rose et après je t'embrasse. Amour. Pose une question risquée, s'il te plaît. On m'envoie pas bouler, je voudrais juste après t'embrasser tranquille. Pourquoi je peux plus l'embrasser? Ah purée! Tu arrêtes un petit peu. Ouais, fais une blague autodénigrante, ça va être super. Vas-y, plaisanter, amical. Hop, 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 plus de choix. T'es une comique, vas-y. Fais-le rire. Non, on partage pas ces incertitudes. Mais c'est pas possible, il a une cystite ou quoi? Arrête-toi, viens ici. Raconte-lui une blague de suite. Fais une imitation. Arrête de parler à l'autre avec sa choucroute jaune. Une blague perso. T'es trop marrante. 2, 3. Allez. Partage un secret. Gna 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 gna. Illuminer la journée. Une histoire scandaleuse. Si ça pouvait la mettre en joueuse. Amour, gna gna gna. Complimenter la suivance, l'apparence. On la sait. Oh, je sais vraiment pas jouer en vitesse 3, je sais pas comment vous faites. Gna gna gna, gna gna gna. Plus de choix. Se rattraper, rattrape-toi, mais vraiment, trouve une branche et chope-la. Conversation profonde. Je veux pas avoir une conversation profonde, je veux l'embrasser. Allez, enjôleuse. Hop, voilà. Fais ce que tu sais faire.
draguer avec une blague. Plus de choix. Hop, allez, je replace une conversation profonde, ni vu ni connu. Et après, hop, encore. Bon, amour. Voilà, c'est. Ah, oh, mais ça lui a pas plu. Oh là là, est-ce qu'il est susceptible ce type? C'est pas possible. Comment je l'embrasse? Il joue son farouche et tout. J'en peux plus. Non, ne pars pas. Il faut au moins retourner. Il faut au moins que tu finisses. On va se prendre une médaille de toute pourrie. Une histoire délicieuse, allez. Oui, toi aussi t'es fatiguée, mais moi aussi tu me fatigues. Hein. Amour, technique de drague. Vas-y, fais-le. Allez, poupette. Cécile, tu peux le faire. Regarde comme tu es belle, comme un cœur. Je sais pas comment... Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Drague-le, t'es pas venu pour sa conversation. Parler la dernière fête. Allez, ça va te plaire. Gna, 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 gna. Premier baiser. Premier baiser. Allez, s'il te plaît. Hop. Allez, c'est pas grave. De toute façon, si je me prends une veste. Oui, je l'ai fait. Ouais. Ah merde, c'est avec passion. Comment je vais faire ça? Il faut que j'y arrive. Prendre une pose sexy, on l'a fait? Non, on l'a pas fait. Allez. Offrir une rose. Hop, hop, hop. Non, faut pas exagérer. Il a tellement été relou qu'on va pas lui demander direct à être ton premier petit ami. Plus de choix, amour. Gna 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 gna. Envoyer un baiser. Ne lui montre pas tes dessous de bras. Baiser passionné, vas-y. Allez ma jolie, allez chope-le. Tu le chopes par les cheveux. C'est parti. Voilà, je suis tellement fière de toi. C'est bon là? Je peux carrément le... Allez, sois mon petit ami. On en est là. Ouais, vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Médaille d'or. Ouais. Alors, 15h27. Avant de partir, si tu voulais bien être mon petit ami, ça m'arrangerait parce que... C'est super. Ok, t'as bien travaillé, ma fille. Rentre chez toi. Va te coucher. Et puis, demain, c'est parti. Va te coucher, il est 9h du matin. On va pas perdre de temps, il reste 15 minutes. J'ai tellement eu la loose au dernier défi qu'il me faut un super score. Donc, il faut que j'ai la relation maximum, que j'ai le maximum de médailles d'or, contrebalancée par le nombre de fois où j'étais embarrassée. Et ça, ça me semble être plutôt la loose. Bon alors, bonne nouvelle. Hop, j'en ai double. Tiens, toi, tu te nourris. Tu sais te nourrir? Non, on va pas faire ça. Hop, 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 hop. Manger un repas rapide. Très bien. On fait gaffe à notre ligne, on prend une compote. Après, tu dors. Toi, pendant ce temps, tu fais ça. Et moi, pendant ce temps, je cherche combien de fois j'ai été embarrassée. Parce que de toute façon, je ne me rappelle jamais où c'est. Où chez, où chez, où chez. Alors, trois baisers. Bon, toilette, c'est parfait. Crac, crac, non, mais on y travaille. T'inquiète. Nombre d'envie, colère, blasé. Embarrassée, trois. On n'est plus embarrassé, on fait des rencarts, on se marie. On va se marier, on va faire des rencarts. On peut avoir des rencarts quand on est marié. Qu'est-ce que j'ai? Ok, bah écoute, j'ai mes petites cornes de reine pour le dodo. C'est mignon. Quoi, des voisins? On s'en fout. Ah, ça compte en... Mais non, ça doit être dans le cadre de relations. Le comité d'accueil en médaille, ça compte pas. Nouvelle règle, le comité d'accueil en médaille, ça ne compte pas, on s'en fout. Allez, ma grande... Oui, t'es pas la bienvenue. On n'en a rien à faire de toi. On est totalement focalisé sur le seul, l'unique machin qui s'appelle Samuel. Sam Sam. Allez, on a bien assez dormi. J'ai une petite idée de divertissement. Ça se passe dans un lit. On pourrait faire un combo. Reviens, reviens. Mais oh, qu'est-ce que je suis nulle avec ce truc. Gna, gna, gna. Envoyer un SMS de bonheur. On peut, comment je fais? Je voudrais faire un rencard. Bien sûr, si je ne me renseigne pas. Oui, sortons pour en profiter. Ok. Il est déjà totalement radin de nous. C'est bien là, Cécile. On va se marier, je te le dis.
Il nous reste 12 minutes. Deux rancards. Ça compte un rancard? Il est où? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais tu te fiches de moi? Mais oui, viens. Il fait déjà autre chose? Tu te fiches de moi? Où tu es? Viens ici de suite. Parle pas à la vieille, on s'en fout. Elle a une mauvaise poil en plus, elle va nous crier dessus. C'est quand déjà qu'il travaille, lui? Oh, bon. Allez, viens, on va au travail. Allez. On s'est ôté. Bah, parfait. Hop là, on va changer. On va aller au jus de crottal. C'est tellement romantique. Allez, Cécile, il me reste 10 minutes avant la fin de la sieste. Il est où? L'autre demeuré. Mais il n'y est pas. En plus, on peut boire à prix réduit. Qu'est-ce que c'est que cette petite? Ou qui m'énerve? Viens ici. Ah, ben il y a un autre Samuel. Il est interchangeable. C'est la version blonde à moustache. C'est pas possible, c'est Astérix ou quoi? Hé, hey, il y a Astérix au bar! Dragons-le! Non, toujours pas. Bon, écoute. On va aller le harceler à son travail. Ne faites pas ça chez vous. Oui, il fait déjà autre chose, je sais. Non, mais vraiment, je m'en veux. Trop embarrassé. Autrement, je vais devoir multiplier par des moins. Samuel, mais il est où? Oh, le con. T'es obligé de venir, tu travailles ici. Fais déjà autre chose. C'est la loose. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Bah, fais une sieste, tu vois. Voilà, fais une sieste disco, c'est la top. Et quand t'auras fini de faire ta sieste disco, on essaiera de le réinviter jusqu'à ce qu'il vienne. Les frites. Oh, il y avait du houmous. Bon, ça. Et maintenant, viens. Il est nul, hein. Je te déteste. Viens, on rentre chez nous. Il m'a saoulé. Oui, crée de moi interdit. Il est où, l'autre abruti? Viens là. Dépêche-toi. Où est-ce qu'il est, cette andouille? Propose un rencard. Minutes, mais c'est impossible. Comment tu veux que je fasse ça? On va où? Newcrest. J'arrive à rien, Newcrest. Je sais pas pour à quel moment j'arrive. Allez, Winterberg, Plotch, la bibliothèque, bien sûr. On va au café. Dépêche-toi. T'as plein toi des problèmes après tout. Non, mais pas la table. Les deux Sims sont joueurs en même temps. Bah dis donc, on est mal paré. Bah, très bien. Roulons-nous des galoches. Caresse la joue. On continue, Star. Avec tout ça, on va pas être un joueur en même temps. Son joleur. Fais crac-crac dans le buisson. Écoute, on va faire des points. J'espère qu'il est pas trop loin. J'ai encore le truc à l'autre bout de la ville. Allez, si t'es pas en joleur avec ça. Ta première fois dans un buisson. Écoute, il y a eu plus classe, mais j'ai une médaille d'or à remporter, moi. Tu sais. Allez, vas-y. Ça a pas duré 40 ans, quand même. La première fois, tout le monde sait que c'est nul. Où tu es? Non. Où tu vas? Où il est, cette andouille? Reste ici! Appelez! Le laisse pas partir!
Quelle mufle! Non, mais ne t'en va pas. Mais c'est pas possible, je vais les frapper. Non, on va peut-être pas faire ça. On va envoyer un baiser. Voilà, on fait soft. Écoute, on vient déjà de faire des trucs. Gna gna gna. Ensuite, hop, si on pouvait juste plus de choix. Raconte une histoire délicieuse, c'est parfait. Si je pouvais faire un combo. Et on n'est pas en joueur en même temps et tout ça? Ça va, on vient d'avoir un rapport de buisson. Soutenir par la main. Plus de choses, amour. Écoute, je vais te demander direct en mariage, je pense. Voilà, t'as intérêt à t'y courir par contre. Oh, c'est pas du toc, super. Oui, vas-y. Je vais... Hop, plus de choix. Ah non, il faut... Non, reviens. Quel chiant. Mais ne pars pas. Appelle-le, il est chiant. Je vais m'énerver. Allez, s'il te plaît, je voudrais avoir un mariage. Il est chiant. Viens ici. Ah, embrasser. Faut que je finisse l'événement social. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien, casse-toi et laisse-nous tranquilles. Mais où elle va, l'autre névrosée? Alors, il est possible que l'on pue un peu. Je suis très enjôleuse, on ne peut pas avoir une conversation. On n'est pas enjôleux pour... Ah voilà, plus de choix. Conversation pour faire vite, s'il te plaît. Allez. Ah, gna gna gna. C'est forcément si je suis à ce point nul. Amour, embrasser les mains, gna gna gna. Oh ben, bien sûr. Un petit pétou. Baiser passionné. On n'a pas déjà eu cette conversation profonde. C'est la fin. Minutes. Bien sûr, j'ai qu'à me battre. Qu'est-ce que c'est que cette... Dina et Cécile se détestent désormais. Ok. Par contre, du coup, là, j'ai le droit d'arriver à ma médaille d'or. Je l'avais gagnée, techniquement. Bon, mais j'ai fini. J'ai demandé en mariage, mais j'ai pas le temps de me marier. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, on va s'arrêter là. Cécile. Quel rencard de légende. Il est temps de compter les points. Ben, pendant ce temps, tu sais quoi? Je vais te laisser avoir un petit gâteau. Tu vois, commander à manger. Sur place. Ouais. Okay. Pain au chocolat? N'importe quoi. D'une chocolatine. Donc, pendant que Cécile mange ses canoulis, nous allons calculer nos relations. Donc, déjà, où est-ce qu'il est? Plutch. Mais non, on ne fait pas ça. Voilà. Samuel, on est donc, reviens, fiancé et amour issu d'une amitié. Et ensuite, il va nous falloir ces petits éléments-là. Donc, baiser, échanger, 8, séance de crac-crac, 1. Oui, ben, les buissons est un peu loin et il n'a jamais voulu venir chez moi. Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, il va nous falloir embarrasser, 3 et enjôleuse, 4. Calcul des points. Donc, amour signe d'amitié, j'ai 50 points, fiancé 25, 8 baisers, 8 fois 5, 40, et une séance de crac-crac, 10, 25, alors 50 plus 40, 90, plus 10, 100, 125 pour notre première partie du calcul. Et ensuite, donc, le score de médaille, alors je me suis un peu stressée pour rien parce qu'en fait, l'or apporte 4, donc ça contrebalance, donc ça fait 8, auquel on ajoute... le nombre de fois où on était enjôleur. J'ai déjà oublié.
Donc, hop, on joue l'as 4. Donc, 8 plus 4, 12. Moins 3, ce qui nous fait 9. Donc, 125 que multiplie 9, ça fait 1125. Décidément, je ne sais pas pourquoi je continue à faire des défis ou j'en invente, puisque je fais toujours des scores minables, vu que je ne sais pas jouer à vitesse 3. Mais bon, déjà, j'ai pas un score négatif, j'ai eu un petit peu peur. Bon, ben voilà pour ce petit défi. J'espère qu'il vous aura amusé. J'espère que vous serez également tentés de le réaliser. Si jamais vous y essayez, n'hésitez pas à venir nous taguer sur YouTube si vous savez le faire, vous, c'est bien. Autrement, sur la page Facebook. Et puis, je ferai à nouveau une petite liste de toutes les personnes qui ont fait le défi. Et je verrai à quel point vous aurez laminé mon score. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt sur Sims Artist, le forum et sur les réseaux. Ciao !